Pierre, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais les joueurs de cette équipe, ils font des kilomètres, ils exercent un énorme pressing sur les joueurs adverses. Ouais, mais c'est comme ça qu'ils récupèrent beaucoup de ballons. Quand tu vois la compo, tu t'aperçois que tu as plusieurs joueurs qui sont nés avec trois poumons tellement ils galopent. Cette équipe de Lille a disputé en 2014 la toute première finale de l'UEFA Champions League qui a opposé deux clubs d'une même ville. Ça aurait pu arriver à deux clubs de Londres ou de Milan, mais finalement c'est à Madrid qui est revenu cet honneur. Et on se souvient de ce scénario incroyable. L'Atlético qui menait 1-0, qui concède l'égalisation au tout dernier moment et qui s'effondre en prolongation. Et Sergio Ramos qui a encore sauvé le Real ce jour-là. Alors que le réalisateur vous propose la composition de l'Atlético Madrid. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. L'arbitre qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. J'ai hâte de voir comment ces deux équipes vont aborder ce match. Le ballon de Gareth Bale qui ne passe pas. Philippe Luis. Ah non, le ballon est perdu. Il y a de la place là pour l'Atlético. Saúl. Allez, l'occasion peut-être de mener. Bon, attention, c'est pas fini. Il y a peut-être moyen de... Ouais, la magnifique passe là de Modric. C'est un centre pour Benzema. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Super barré du gardien qui évite à son équipe de courir après le score en début de match. Diego Costa. Diego Costa, international espagnol, mais bien sûr de naissance brésilienne. Il a même porté le maillot de deux sélections. Il a joué deux. Toni Kroos et le ballon bloqué par le gardien. Intercepté cette tentative de passe d'Adrien Rabiot. Faute, l'arbitre estime que le joueur madrilène a commis une faute. Ah oui, jaune. Carton jaune. Là, il a grillé tous ses jokers. Le ralenti de ce tacle glissé et l'arbitre, évidemment, qui a sanctionné. C'est un peu emporté sur ce tacle glissé. Adrien Rabiot. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Ok. Rabiot. Diego Costa qui tire. Ouais, joli le gardien. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Thomas Lemar. Adrien Rabiot. Philippe Luis, pas mal ce centre. Oh, superbe intervention. Oh, il est partout. La frappe de Griezmann. Ah, il y est. On le sentait venir. Et il est venu. Ah, c'est un premier but amplement mérité pour cette équipe. Allez, le but de l'Atlético au ralenti. Le gardien qui est un petit peu malheureux sur cette action. La première parade n'a pas suffi. Et derrière, le buteur est idéalement placé pour la mettre fin. Les joueurs de l'Atlético Madrid qui a pris le devant. Le Kalinic. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Ah, il récupère les vertus du pressing. Gareth Bale. Ah oui, la passe de Bale, bien vu. Allez, encore même, peut-être, pour égaliser. Un superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Gareth Bale. Ah, il détourne le ballon du bout des doigts, le gardien. Corner, c'est un corner pour le Real. Le corner de Toni Kroos, bien frappé. Oh, c'est Mario Jiménez.
Diego Costa, Adrien Rabiot. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Ok. Antoine Griezmann, il est en position pour centrer. Adrien Rabiot, le gardien, c'est pas fini. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Ouais, la magnifique passe là de Modric. Allez, on peut égaliser là. Le gardien qui repousse. Ouais, dégagé ce ballon. C'était une belle occasion. Le danger est éloigné. Il est bien parti ce Bale. Il n'a pas pris le risque. Corner. Le corner de Toni Kroos, bien frappé. Attention, le corner et le gardien qui boxe le ballon. C'est bien fait. Au centre de Gareth Bale, bien joué. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Saoul. Deux minutes. Il a débordé la défense. Et ce ballon qui est bien récupéré. C'est un adversaire qui récupère cette passe. C'est la mi-temps dans cette UEFA Super Cup. Les joueurs des deux équipes madrilènes, le Real et l'Atlético, de retour sur la pelouse pour la suite de cette affiche. Ouais, pour qu'elle soit exceptionnelle, cette affiche, il faudrait que le Real puisse recoller au score. Ce qui n'est pas impossible quand même. Et le ballon qui change de camp. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Diego Costa. Ouais, une vilaine passe directement à l'adversaire. Bien sûr, le dernier recrutement de Chelsea, qui a été confirmé maintenant, a fait un petit peu le buzz. Quand je vois la somme qui a été déboursée dans cette transaction, je me dis que le foot est quand même en train de devenir un peu ma boule. Ah, la passe est interceptée, ballon est perdu. Ah oui, c'est bien fait ça. Il cherche un partenaire en profondeur. La frappe. Et le but, le Real qui égalise. Un derby madrilène qui s'anime. Et ce n'est pas pour nous déplaire, Pierre. Et on attendait la réaction des joueurs du Real. La voilà, maintenant on va guetter celle de l'Atlético. Et la bonne série qui s'arrête là pour le gardien. Il avait été vraiment irréprochable jusque-là. C'est quand même vraiment compliqué de lui en vouloir. Hein. Sur l'ensemble du match, il a démontré qu'il était bien là. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Adrien Rabiot, Diego Costa, Saoul, Antoine Griezmann, Diego Costa qui tire, ça n'ira pas plus loin. Toni Kroos, Benzema. Ah, le bon ballon de Benzema. Il manquait peut-être de conviction cette attaque. Saoul. Oh, c'est bien donné en profondeur. Côté. Oh, quel manque de lucidité. Mais quel manque de lucidité. Il était face au gardien. Il y a trop de nonchalance dans cette tentative. Un changement demandé par Diego Simeone. On assiste donc à la sortie d'Adrien Rabiot. Kroos. Ah non, le ballon est perdu. Il y a de la place là pour l'Atlético. Le centre adressé vers Griezmann. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Et la contre-attaque qui se poursuit. La passe est interceptée. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ballon intercepté, mal donné, bien défendu. Ah, c'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. Attention parce que la contre-attaque se poursuit. L'interception de Carvajal. Il
Ballon est pour le Real, la situation est tendue, donc c'est maintenant qu'il va falloir se montrer efficace. Donne sur l'aile à Bale. Karim Benzema. Bale. Gardien qui répond au présent sur cette action. Il concède la touche avec cette tête. Un changement demandé par Diego Simeone. Monténégrin Stefan Savic qui va venir apporter sa clairvoyance en défense centrale très probablement. Allez, 9 minutes. Il ne reste que 9 minutes à jouer. Saoul, Koke, Stefan Savic. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Un changement demandé par Diego Simeone. Oui, Hervé, le joueur qui sort, c'est Thomas Lemar. Koke. Plus que quelques minutes à jouer, tout reste possible. Cross. Modric. Gareth Bale au second poteau. Ouais, non, c'est pas personne. Le Real qui va vouloir marquer sur ce corner. Un but qui serait maintenant sur la ligne de victoire. Et Toni Kroos qui va céder sa place à Isco. Un joueur longtemps sous-estimé et qui a fini par exploser au plus haut niveau. Et là voilà la frappe. Oh, ça ne veut pas rentrer, ce n'est pas terminé. Modric, sa passe est interceptée. L'arbitre qui met un terme à cette seconde période. C'est souvent difficile ces prolongations. Il faut piocher dans ses réserves et c'est souvent là que se fait la différence. Ouais, plus facile à dire qu'à faire, mais enfin avec un mental en béton, en général le physique suit. Saoul, Morata, Vitolo. Est-ce ce ballon qui traîne? Philippe Luis. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Gareth Bale. Le ballon est perdu au profit de l'Atlético Madrid. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Ouais, l'intention était bonne, mais ce sera pour le gardien. Ouais, bon timing défensif sur ce tacle. Ouais, Koke, bien centré ça. Ouais, la bonne interception de Philippe Luis. Morat, le tir. Sous la pression de l'adversaire. Un ballon trop facile à reprendre finalement. Perdu stupidement. Allez, peut-être une bonne occasion. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais, ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Et fin de la première prolongation. C'est parti pour ce qui sera, quoi qu'il arrive, la toute dernière période de ce match. Hein. Et rien n'est encore fait, Hervé. Hein. Vitolo. Ouais, la passe est interceptée, ballon est perdu. Ouais, ça part. Ouais, le drapeau qui s'est levé, hein, une position de hors-jeu. Casemiro, Modric, Eden Hazard bien servi sur le côté. Isco, oh là, un petit peu ambitieuse là, peut-être la volée. Ouais, alors tu vois là tu es poli. En fait il s'est complètement déchiré. Mais
dans 8 minutes. On s'en sera terminé de ces prolongations. Et alors, le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Plus que 5 minutes. Toujours ce score de parité. Quel suspense, quelle intensité. Ah, c'est un ballon perdu. Allez, plus que 3 minutes à jouer dans cette seconde période de prolongation. Casemiro. Le Real Madrid qui va tout donner sur ce ballon pour tenter de l'emporter dans cette fin de match. Ah, il n'y aura que 2 minutes hein, de temps additionnel à jouer. Dégagement de Philippe Luis. Ah oui, Coquet dans l'espace. Diego Costa. Et l'arbitre qui met. Le premier tireur qui se retrouve face au gardien. Oh, magnifique, le gardien qui repousse ce ballon, magnifique. Ah ouais, très bel arrêt, c'est impeccable. Ouais, non, ça ne rentre pas. Quel exploit du gardien, là. Et c'est dedans, bien frappé. Bien arrivé. Et ça rentre, parfaitement tiré. Ouais, serein, le gars. Penalty transformé avec succès. Un péno bien tiré, il s'est appliqué, ça passe tranquille. Oh là là, c'est raté. C'est raté. Le gardien est à la parade. Et la pression pour Karim Benzema qui est le prochain tireur. Et c'est dedans. Beaucoup de tranquillité. S'il ne marque pas, c'est terminé. Oh là. Oh, l'arrêt qui qualifie l'équipe pour la suite de l'épreuve. Que ça a été dur, mais c'est l'équipe qui a eu le plus de l'air, qui l'a emporté. Regardez comme le gardien a bien joué le coup. Le gardien qui fait le bon choix, c'est parfait. Et voilà, c'est terminé, Pierre. Magnifique succès dans cette compétition. Ah, les joueurs qui n'y croient pas. Oui, c'est des scènes de joie habituelles dont on ne se lasse pas en plus. Hein. Regardez ça, cette joie collective. Ils semblent ne pas réaliser qu'ils ont gagné cette compétition. On voit les joueurs qui s'étreignent au milieu de la pelouse. Voilà, une petite ronde hein, pour fêter ça. Non, c'est un très très beau succès. Il y a certainement un appel d'autres. Magnifique. Et les joueurs qui remportent donc cette super coupe au terme d'un sacré choc qu'ils ont su aborder en patron, vraiment. Ah, c'est à croire qu'ils n'ont jamais douté, alors que c'est vrai qu'ils n'avaient pas n'importe qui hein, face à eux. Mais vraiment, c'est une belle victoire. Bravo à eux. Allez, la petite photo pour l'éternité, parce qu'on ne se rend pas compte quand on vit des moments comme ça. Ça, c'est la photo que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la photo officielle que les gens regarderont. Hein. Ouais, les joueurs font les marioles, mais c'est une photo qui est là pour l'histoire. L'arbitre qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. J'ai hâte de voir comment c'est.